we do have this extraordinary power. I mean the power of imagination. Every feature of human culture is the consequence of this unique capacity. But I believe that we systematically destroy this capacity in our children. Weil wir denken, dass der Wettbewerb so wichtig ist, fangen wir an, unsere Kinder immer früher auf diese Konkurrenzwelt vorzubereiten. Und eigentlich müsste es andersrum sein. Wenn Sie in die Zukunft gucken, wie wird dann Ihr idealer Topmanager aussehen? Leistungsorientiert. Alles andere ist egal. Egal wie. Egal wie. Egal wie. Die Verkürzung des Lebens auf die Ökonomie ist eine der schlimmsten Entwicklungen unserer heutigen Zeit. Jeder weiß, dass die Schule nicht das Leben ist. Mein Leben aber ist die Schule. Was heißt, dass da etwas falsch gelaufen sein muss. Was weiß denn die Schule von den wahren Bedürfnissen der Kinder? Das Schulprogramm geht von dem Konzept der Erwachsenen aus und da soll man Kinder hineinschwingen in diese Form. Ce qu'on doit à l'enfant, on lui doit le bonheur. Jedes Kind hat andere Eigenschaften und die bringt es mit auf die Welt. Und deshalb ist jedes Kind eigentlich hochbegabt. Fertig. Wir haben, also ich habe diesen Film im Kopf seit meinem 17. Lebensjahr und die Recherchen für den Film begannen 2009, er wurde 2013 fertig und ich habe die Recherchen nicht ganz alleine gemacht, es hat meine Frau mitgearbeitet und einer der ersten, die uns über bei den Recherchen über den Weg gelaufen sind, war die Sternfamilie. Sorry. I'm a little bit confused about the performance of the Il a ce film en tête depuis ses 17 ans, personnellement. Mais il a commencé les recherches le concernant en 2009. Et le film a été s'est terminé en 2013. Et les recherches qu'il a commencées en 2009, il n'a pas été le seul à les mener. Elles ont été menées également par sa femme, Sabine. Et l'une des premières choses que leur chemin est croisé, ça a été la famille Stern. La famille Stern. Moi, je suis très neutre, je suis le traducteur. Ja, können Sie noch mal ausführen, warum mit 17 Jahren, warum Sie auf die Idee gekommen sind? Ja. Je peux le dire en français. D'accord, merci. Juste pour savoir pourquoi à 17 ans, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, pourquoi vous avez cette idée du film depuis l'âge de 17 ans. Okay. In den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahren, kamen die ersten Umweltbewegungen. Sie werden sich noch erinnern können. Daraus sind dann die ganzen grünen Parteien entstanden. Und es wurde damals, ich war damals jung, und wir haben viel diskutiert über diese, was man jetzt Climate Crisis nennen würde. Und ich habe damals zu meinen Freunden immer gesagt, das Problem ist nicht diese äußere Umweltverschmutzung, den Schmutz können wir relativ schnell wegtragen, sondern das Problem ist die innere Umweltverschmutzung.
dans les années 80, lorsqu'ont commencé les premiers mouvements écologistes, les premiers verts, lorsqu'on a commencé à parler de ce qu'on appelle de nos jours la crise du climat. Dans ces années-là, il menait de nombreuses discussions avec ses amis et ce dont on parlait, c'était de toute cette salissure, ce salissement de l'environnement. Et lui, ce qu'il disait à ses amis, c'est le problème n'est pas tellement cette salissure extérieure, parce que celle-là, on va réussir assez facilement à s'en débarrasser. La difficulté, c'est ce salissement, cette salissure de l'intérieur. Wie Sie vielleicht wissen, ist dieser Film der letzte Teil einer Trilogie. Der erste begann über Ernährung und wie wir uns physisch ernähren, wenn Sie so wollen. Und das ist jetzt der Teil, wie wir uns geistig und emotional ernähren. Comme vous le savez probablement, ce film est le troisième volet d'une trilogie. Et le premier parlait de la nourriture, c'est comment nous nous nourrissons matériellement, physiologiquement. Et ce film, qui est la troisième partie, qui clôt la trilogie, parle de comment nous nourrissons de manière notre nourriture intellectuelle et émotionnelle. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Ok. Le clos lieu, c'est à Paris. C'est où cet endroit? Je vais vous proposer quelque chose. Dans la salle, il y a Arnaud Stern. Et donc, quand on pose la question de où est le Clos-Lieu, papa. Oui, effectivement, il est à Paris. C'est là qu'il est né, d'ailleurs, en 1947-48. Et il existe toujours à Paris. C'est où? Et vous pouvez le visiter même. À quel endroit? 61 rue Fallières, dans le 15e. En vous annonçant, bien sûr, en prenant rendez-vous. J'accueille toute personne qui veut lui rendre visite. D'accord. À tout instant. Voilà. Je rends le micro. Erwin disait, si vous n'avez pas de questions, on passe tout de suite à la bière. Savoir comment vous avez trouvé ou rencontré vos personnages dans le parcours entre ces personnes-là du film. Was war dein Weg von Protagonist zu Protagonist? Mm-hmm. Und warum bist du von einem zum nächsten gekommen und wie bist du überhaupt denen begegnet? Okay. Es ist relativ leicht zu erklären. C'est assez facile à expliquer. Der Film hat ja einen sehr wichtigen Untertitel, Angst oder Liebe. Le sous-titre de ce film est particulièrement important, La peur ou l'amour. Und wir sind eben diesen Bogen gegangen von dem System der Angst in China zu den Protagonisten hier und auch in Spanien, die es eben mit der Liebe probiert haben. Et donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de tendre un arc entre deux pôles, le système de la peur par la Chine et la Chine, McKinsey, etc. Et puis tendre cet arc jusqu'à l'autre pôle, qui était par exemple cet exemple, disait-il en me montrant, ou Pablo Pineda en Espagne. Wollen Sie noch mehr wissen? Dann kann ich schon ausführen. Voulez-vous qu'il explique plus? Ouais. Il y a un doute ici. Ok. Comment le choix des personnes précises en fait, enfin, où, tu vois, l'arc, il y a une idée de l'arc là. Oui. Comment. Das mit dem Bogen versteht ihr gut, aber wie kommt man dazu überhaupt so solche Protagonisten auszuwählen? Wie kommt man dazu, ihnen zu begegnen und sie zu nehmen? Das ist die Kunst des Dokumentarfilms. C'est tout l'art du film documentaire. Die Schwierigkeit beim überhaupt beim Film. Die Schwierigkeit ist, in eine Situation zu kommen, dass es überhaupt Sinn macht, die Kamera einzuschalten. La difficulté de toute manière au cinéma, c'est de finir par arriver à une situation dans laquelle ça vaut la peine d'allumer la caméra. Beim sogenannten Dokumentarfilm oder nicht fiktionalen Film sind das vier Sachen. En ce qui concerne le film non-fictionnel, non. En ce qui concerne le film qui n'est pas de fiction,
Il y a quatre éléments. Zum richtigen Zeitpunkt. Le bon moment. Am richtigen Ort. Au bon endroit. Die richtige Person. La bonne personne. Die das Richtige sagt. Qui dit la bonne chose. Und ja, und der Film ist jetzt gebaut. Es gibt da diese große Kammer mit dem Dead Valley. Il y a dans ce film est construit, il y a cette grande parabole avec la vallée de la mort. Das dann direkt in dieses chinesische System führt, qui conduit directement à ce système chinois. Das zu uns verbunden ist über diese Pisa-Sache. Qui est relié à nous, le système chinois, par les affres de Pisa. Was dann genau zu den Eliten führt. Ce qui nous amène aux élites. Ja, wir leben in der Zeit der großen Elitenversagen, nebenbei bemerkt. Remarquons en passant que nous vivons dans l'époque du grand loupé de l'élite. Ja, von den Eliten führen, kommen wir dann zum Gegensatz, zu denen, die ganz unten sind, sozialen Unterschicht, Patrick. Quand on part de l'élite, on passe au pendant de l'élite qui est qui sont les plus bas niveaux sociaux, Patrick. Zum Wirtschaft, wie die Wirtschaft denkt. Alors on passe à l'économie, Sattelberger, Thomas Sattelberger. Und dazwischen geteilt ist die Familie Stern. Réparti entre tout ça, il y a la famille Stern. Das ist ein völlig anderer Weg. Un tout autre cheminement. Der dann teilweise durch die Wissenschaft, durch die Hirnforschung bestätigt wird. Qui est confirmé par la neurobiologie. Einerseits Hütter und der Babytest in den USA. D'un côté, Gerhard Hütter et le test sur les bébés aux USA. Und das führt uns dann wieder genau zum Death Valley. Das tout cela ramène à Death Valley. Auch blühen kann in einer Wüste. Das ist l'idée. Et l'idée finale, c'est que même dans, même dans le désert, il peut fleurir. Hört sich rétrospectif sehr leicht an. Écouter rétrospectivement, c'est très simple. Dazwischen habe ich aber auch Blut geschwitzt. Et entre temps, lui, il a sué du sang. Alors je suis vraiment très très contente ce soir d'être là parce que j'ai vraiment adoré les autres films. Let's Make Money et puis We Feel the World, vraiment bravo, merci beaucoup d'avoir fait ces films. Et je voulais juste vous poser une question sur Let's Make Money que j'ai vu deux fois, trois fois, je ne sais pas combien de fois. Et où ça en est aujourd'hui d'après vous à ce niveau-là, au niveau de l'économie? Est-ce que ça a empiré depuis que vous avez fait ce film ou est-ce que vous voyez un semblant de mieux par rapport à l'économie mondiale? Also ich bin kein Prophet. Il n'est pas un prophète. Es ist nicht besser geworden, es ist schlimmer. Ça ne s'est pas amélioré, c'est même empiré. Und es muss schlimmer werden. Et il faut que ça empire. Weil wir haben es immer noch nicht verstanden. Parce qu'on n'a toujours pas compris. Und das ist der Grund, warum wir diese Krisen haben. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces crises. Und wenn Sie dem Wort Krise auf die Wurzel gehen, et si vous allez à la racine du mot crise, dann heißt Krise Entscheidung. La crise, ça veut dire, en grec, prendre une décision. Auch Meinung. Aussi, avoir une opinion. Und wir wollen aber nicht, dass Menschen eigene Meinungen haben. Et nous ne voulons pas que les gens aient une opinion personnelle. Und wenn sie keine eigene Meinung haben, können sie auch keine Entscheidung treffen. Et quand ils n'ont pas d'opinion personnelle, et bien il s'avère qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions personnelles. Diese ganze diese Flüchtlinge, die jetzt über Europa kommen, ich weiß nicht, wie schlimm es hier ist. Je ne sais pas comment c'est en France, mais tous ces réfugiés, tous ces migrants qui arrivent sur l'Europe. Also bei uns, Österreich, Deutschland, diese en Autriche, en Allemagne. Da ist es ganz heftig im Moment. C'est particulièrement fort actuellement. Das sind die Schatten der Vergangenheit, die kommen. Ce sont les ombres du passé qui arrivent. Und wenn sie nicht kommen, verstehen wir es immer noch nicht. Et si elles ne venaient pas, nous ne comprendrions toujours pas. Wir müssen lernen, dass hat uns etwas zu sagen, dass wir anders leben müssen. Tout cela essaye de nous dire qu'il faut commencer à vivre différemment.
Weil auf diese Krise 2008 hat überhaupt kein Mensch reagiert. Parce que cette crise qui est arrivée en 2008, jusqu'ici personne n'a réagi. Man hat die, die sie angerichtet haben, ceux qui l'ont provoqué cette crise, ceux qui sont à l'origine de cette crise, genommen, damit sie es wieder reparieren. On les a pris afin qu'ils réparent cette crise. Das ist absurd. C'est totalement absurde. Und das ist der Grund, warum ich auch solche Filme mache, weil ich glaube, dass wir beginnen müssen bei neuen Generationen, die so kommt kein Kind zur Welt, verstehen Sie? C'est pour ça qu'il fait ces films, parce qu'il pense que auprès des nouvelles générations, il y a quelque chose à faire. Aucun enfant ne vient ainsi au monde. Sondern wir machen das. C'est nous qui faisons cela. Und das meine ich auch, wenn ich sage, we feed the world. C'est ce que je veux dire aussi quand je dis we feed the world. Nous nourrissons. C'est pas les méchants. Konzerne, wer auch immer, weil wir sind Teil dieser Konzerne. Ce ne sont pas les méchantes multinationales, ce ne sont pas les méchants de ce monde, car nous faisons partie de ces multinationales et des méchants de ce monde. Genauso wie wir Teil dieses Flüchtlingsproblems sind. Tout comme nous sommes une partie de ce problème des migrants. Wenn Sie wollen, kann ich es lang ausführen. Si vous voulez, il peut continuer longtemps, mais ça nous amènera très loin, dit-il. Ce qui est bien, c'est que même les yeux fermés, je vois la langue. Merci. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous préconisez qu'il n'y ait plus de système d'éducation ou un système d'éducation qui reposerait autrement? Comment chacun d'entre nous pourrait permettre justement d'inverser cette tendance? Appellierst du für die Abschaffung des jetzigen Bildungssystems oder Bildungskonzept? Oder wie glaubst du, dass jeder dazu beitragen könnte, dass ab jetzt neue Wege eingeschlagen werden? Ich appelliere und versuche das auch selbst zu leben an eine neue Haltung. Fait appel, j'aime pas le mot prôner, vous avez utilisé quel mot? Et oui, non, mais il ne prône pas, il ne prône autre chose que, il ne parle que d'une nouvelle attitude. Wir müssen erstens verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Il faut tout d'abord comprendre que nous sommes tous liés les uns aux autres. Und wir müssen zweitens verstehen, und dann ist es ganz schnell verändert. Das kann nämlich auch ganz schnell gehen. Das ist die einzige Hoffnung eigentlich noch, dass es ganz schnell geht, ist, dass Geben schöner ist als Nehmen. Et nous pouvons tous l'imaginer, c'est d'ailleurs le grand espoir, que quelque chose change. Et il y a un moment où nous allons nous rendre compte que donner est plus beau que de prendre. Das weiß jeder hierherin von uns in seinem privaten Bereich. Chacun d'entre nous dans son cercle privé sait cela. Wenn Sie wirklich einen Beitrag liefern wollen, dann geben Sie. Si vous voulez vraiment participer, si vous voulez faire votre part, ça veut dire que vous allez donner. Und im Deutschen gibt es ja einen schönen Zusammenhang. Wir sagen ja, die Kinder und die Menschen haben Gaben. Und nur der mit seinen Gaben arbeitet, und dafür plädiere ich, das ist die Zukunft, der kann auch geben. Il disait en allemand, mais donc en français aussi, il y a le beau mot de dire qu'un enfant vient au monde avec des dons. Et c'est celui qui travaille avec ses dons qui finira par être dans la situation de pouvoir donner. Das hat nichts mit Utopie zu tun, das hat nichts mit Romantik zu tun, das hat mit Überleben zu tun. Ça n'a rien à voir avec une utopie, ça n'a rien à voir avec du romantisme, il s'agit juste de survivre. Bonsoir. Alors, plusieurs petites choses. La première, donc, c'est que est-ce qu'on doit se réjouir d'avoir de si mauvais résultats au test PISA? Deuxième point, pourquoi n'avez-vous pas choisi de présenter des systèmes éducatifs différents? Je pense en France à l'école Steiner, par le passé aux enfants de Summer Hill.
etc. Donc ça, on ne voit pas. Warum hast du nicht gewählt, warum hast du nicht zeigen wollen, alternative Bildungssysteme wie Steiner oder Summerhill? Et dernier point, que pensez-vous, parce que bon, en France et dans d'autres pays, les enfants en situation de handicap sont de plus en plus intégrés dans les classes ordinaires du système scolaire français. Est-ce que vous pensez que ça a un intérêt particulier ou c'est aller encore plus loin dans la bêtise par rapport à tout ce que vous montrez dans ce documentaire? In Frankreich werden Kinder mit Handicaps noch mehr, das wird ziemlich gepusht, dass sie integriert werden in die normalen Klassen. Findest du das eine interessante Lösung oder das ist noch mehr pusht in diese absurde Bildungsrichtung? Also ich will mit der ersten Frage beginnen. Ja. Pisa? Ja. Wir kommen aus der Pisa, sorry. Rudolf Steiner. Nein, nein, nein. Ob wir uns machen sollen, so schlecht bei Pisa zu sein. Dann müsste ich kurz erklären, was wirklich hinter Pisa steckt. Alors, il va répondre à la question concernant Pisa, mais si vous voulez bien, je vais d'abord vous expliquer, revenir rapidement sur ce qu'il y a derrière Pisa. Die Idee von Pisa war, ist ein Geschäftsmodell. L'idée derrière Pisa, c'est un modèle économique. Ja? So, das erste ist, die Schulen schlecht zu machen. La première idée, c'est de dire des écoles qu'elles sont mauvaises. Und die Kinder und die Eltern vor allem in diese entweder Nachhilfe- oder Privatschulen zu bringen. Afin d'inciter ou d'attirer les parents et les élèves donc, dans des écoles de soutien, merci, dans tous les systèmes de soutien scolaire ou dans les écoles privées. Das steckt dahinter diesen ganzen neoliberalen Wirtschaftsgedanken, alles ins Private zu bringen. C'est un peu l'idée de la pensée néolibérale, c'est d'amener tout vers le privé. So, das ist das. Also, darum geht man nach China. C'est pour ça qu'on va vers la Chine. China ist nicht Mitglied der OECD. La Chine n'est pas membre de l'OCDE. China ist überhaupt nicht interessiert an diesem PISA-Test. La Chine n'est pas du tout intéressée par ces tests PISA. Es gibt ihn nur in zwei Städten, in Hong Kong und in Shanghai. Il n'y a ce test que dans deux villes, à Hong Kong et à Shanghai. Mit ganz wenig Schulen. Avec très peu d'écoles. Das sind private Elite-Schulen, die hat man auch gesehen. Ce sont des écoles d'élite privées que nous avons pu voir dans le film. Die werden perfekt vorbereitet auf diesen Test. Elles sont parfaitement préparées à ces tests. Haben dann diese hohen Werte. Elles ont ces valeurs très élevées. Und dann kommt man nach Europa zurück. Alors on revient en Europe. Und sagt, so gut sind die Chinesen und so schlecht seid ihr. Et on dit voilà, voyez comme les Chinois sont bons et comme vous êtes mauvais. Und wir müssen jetzt Geld hineinpumpen in dieses System. Et alors il faut mettre beaucoup d'argent dans ce système. In Österreich weiß ich es genau, der Pisa-Schock war 2003. En ce qui concerne l'Autriche, je le sais précisément, le choc de Pisa était en 2003. Und 10 Jahre später, 2013. Et 10 ans plus tard, en 2013. Hat man eine große Untersuchung gemacht, was sich verändert hat? On a fait une grande étude afin de savoir ce qui a changé. Gar nichts. Rien. Aber es ist wahnsinnig viel Geld in das Bildungssystem gepumpt. Mais il y a énormément d'argent qui a été injecté dans le système scolaire. So. Die zweite Frage, warum nicht Rudolf Steiner und Summerhill? Summerhill, okay. Quant à la deuxième question, pourquoi pas Rudolf Steiner et Summerhill? Summerhill ganz speziell wollten wir drehen in den USA, hat uns nicht akzeptiert. Ich wollte eventuell mal tourner très spécifiquement à Summerhill aux USA, mais ils ont refusé catégoriquement. Das ist aber nur ein Nebenaspekt. C'est un aspect complètement à la marge. Weil mich hat eigentlich interessiert das öffentliche Bildungssystem. Ce qui l'a intéressé, lui, c'est le système scolaire officiel. Public, merci. Weil wenn wir von Bildung sprechen, also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber im deutschsprachigen Raum... Ich habe commencé ici, mais quand on parle dans les pays germanophones de système éducatif, reden wir immer nur von der öffentlichen Bildung. On ne parle que de l'enseignement public. Okay. Warum eben nicht Summerhill und Steiner? Aber schon. Die dritte Frage war, man integriert heutzutage die Kinder mit Handicaps in Schulen. Findest du das eine interessante Lösung oder dass es noch mehr in diese absurde Richtung geht? Also ich finde es prinzipiell so, dass wir die sogenannten Nicht-Disabled, die Nicht-Handicapped, wir können wahnsinnig viel von diesen Leuten lernen. Surtout ce qu'ils trouvent, c'est que c'est nous, les soi-disant sans handicap,
qui avons énormément à apprendre de ceux qui sont réputés en avoir. Das ist überhaupt mein ganzer Zugang, wenn Sie so wollen, zum Leben. Was kann ich von den anderen lernen? Si, en quelque sorte, c'est ma manière à moi d'aborder la vie. Qu'est-ce que je peux apprendre des autres? Ja, die wirklich guten Schulen, ob die dann Schulen heißen oder nicht, ist ja auch uninteressant. Es gibt zum Beispiel in Russland eine, da fragt man, wie viele Schüler gibt es? En ce qui concerne ces écoles intéressantes, il y en a partout. Il y en a par exemple en Russie où on demande combien d'élèves y a-t-il? Dann bekommt man die Antwort 300. Alors on reçoit la réponse 300. Dann fragt man, wie viele Lehrer gibt es? On demande combien y a-t-il d'instituteurs, d'enseignants? Dann bekommt man die Antwort 300. On reçoit la réponse 300. Ja? Weil kein Unterschied ist. Parce qu'on ne fait pas ces différences. Das ist das Interessante. C'est ça qui est intéressant. Hier kommt was auf Deutsch. Ja, der Film ist in Österreich im Fernsehen gelaufen. Ich weiß gar nicht, ist er schon? Na, ich frage Sie. Er ist im Kino gelaufen, weil da. Im Kino in Österreich, il a été montré à la télévision, et en ligne, il a été montré au cinéma pour l'instant. Es war der erfolgreichste Kinofilm 2013 von allen. Le film le plus grand succès en Autriche en 2013, de tous les films. Quelles ont été les réactions? Was waren die Reaktionen darauf in Österreich? Quelles étaient les réactions en Autriche? In Österreich war die Reaktion gut. En Autriche, la réaction était bonne. Es war eine, wenn ich das kurz drauf einsteige, es war so, dass die damalige Bildungsministerin, si vous me permettez de répondre, la ministre de l'éducation de l'époque en Autriche, es waren dann Wahlen genau in dem Jahr 2013. Il y avait des élections juste en 2013. Und es war klar, dass sie nicht mehr in die nächste Periode geht. C'était clair qu'elle ne serait pas la prochaine ministre de l'éducation. Und die letzte große Veranstaltung, die sie gemacht hat, hat sie mit diesem Film gemacht. Sie hat ein eigenes Kino gemietet und hat nur Leute aus dem öffentlichen Bildungsbereich eingeladen. La dernière grande chose qu'elle a fait avant de quitter le poste, ça a été d'organiser un grand événement où elle a loué un cinéma et elle a invité, elle l'a rempli par des invités qu'elle avait fait venir. Elle a invité des gens du système éducatif public. Und sie hat davor so eine 20-minütige Rede gehalten. Elle a parlé 20 minutes avant le film, wo sie mehr oder weniger gesagt hat, auch zu mir persönlich. Où elle a dit, plus ou moins, s'adressant à moi, die Veränderungen können nur durch die Zivilgesellschaft passieren. Il n'y a que la société civile qui peut faire des changements. Ganz sicher nicht durch die Politik. Et certainement pas par la politique. Weil die Politik ist geknebelt von der Wirtschaft. Parce que la politique est noyautée par l'économie. Alors, moi j'ai mon plan. J'ai mon plan de développement personnel et collectif. Alors j'ai déjà oublié dans le film, il y a un passage où il est évoqué cette liaison horizontale qui se développe de façon très dynamique, je dirais. Alors moi, je serais intéressé par pouvoir disposer de vos films. Je n'ai pas vu les deux premiers. Et celui-ci m'a aidé à continuer de penser à mon plan. Et voilà, je voudrais éventuellement pouvoir disposer des deux premiers. Je pense qu'ils sont 14 ans. En DVD. En DVD, voilà. Il y a concordance entre ma réflexion
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous montrez. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen deiner Reflexion und deiner das, was du zeigst. Si, wollen Sie reden? Je voudrais poser des questions à la famille Stern. D'abord aux parents, savoir pourquoi ils n'ont jamais envisagé d'envoyer leur enfant à l'école, d'une part, et à l'enfant, aujourd'hui, est-ce qu'il ne regrette pas ? Est-ce qu'il y a des choses qui lui manquent ? Est-ce qu'ils lui ont manqué ? Avec le recul, comment il pense cette situation ? Voilà. Et je crois que c'est votre fille qui est là. C'est mon fils. Ah, votre fils, pardon. Est-ce que vous avez l'intention de faire comme vos parents ? Alors, je vais répondre à l'envers. Je n'ai pas du tout l'intention de faire comme mes parents, parce que mes parents et moi sommes totalement différents. Et donc, je ne fais pas comme mes parents, mais en revanche, je n'envoie pas mon fils à l'école. Ça, c'est une décision que Pauline, mon épouse et moi avons prise bien avant la naissance d'Antonin, qu'il n'irait pas à l'école. Je me permets de répondre à la place de mes parents courtement, mais je vous passe le micro après. Mais pour vous donner un exemple, maman le dit, le projet scolaire tel qu'il était inenvisageable pour nous, et leur décision était loin d'être une décision contre l'école. Leur décision n'a jamais été contre quoi que ce soit, leur décision était pour quelque chose, pour les dispositions spontanées de l'enfant. C'est ça qui les a amené à prendre cette décision. Par exemple, un seul exemple, il était pour eux inenvisageable de réveiller leur enfant le matin. Nous sommes la seule espèce qui réveille ses enfants le matin. Et donc, comme pour eux, il était inenvisageable de le faire, pas en partant du postulat, puisqu'ils n'avaient pas de compte à régler avec l'école, ils étaient eux-mêmes de bons élèves et qui n'ont pas souffert, ils n'avaient aucune raison de protéger leurs enfants de quoi que ce soit. Mais partant, juste en donnant un exemple, celui du réveil matinal, comme il était pour eux inenvisageable de réveiller leurs enfants, il a fallu qu'ils inventent une solution pour ne pas avoir à le faire. Ça peut être le début de toute une réflexion. Puisque vous m'avez posé une question personnelle, ben, en réalité, moi je n'ai pas quitté mon état d'enfant, je suis un enfant de 44 ans à l'heure qu'il est, et donc, à aucun moment je n'ai été confronté à la moindre situation dans laquelle j'aurais eu à regretter ce cheminement, je suis resté dans mon état d'enthousiasme natif, et ça fait de moi un enfant extrêmement banal. Moi, je suis aussi banal qu'un noyau de mangue qu'on a trempé dans l'eau, qu'elle pousse une tige, des racines. On ne va pas s'écrier « Ah, c'est un noyau de mangue surdoué !» Ce qui m'est arrivé est en sorte, ce qui est arrivé aussi à d'autres, comme ma sœur qui est là, ça arrive tout simplement à tout enfant, lorsqu'on arrête de partir d'une idée, d'un concept, d'une idéologie, qu'on arrête de partir de l'adulte, mais qu'on part de l'enfant. Et jusqu'ici, je n'ai encore rencontré aucune situation dans laquelle j'ai eu autre chose à penser que c'est une chance d'être resté dans son état natif d'enthousiasme. Ça vous convient ? Merci. Toi, c'est un microphone. Bien. Dites-vous bien que je ne vous vois pas trop si vous êtes au-delà du troisième rang. Vous faites de grands mouvements. Et sinon, on va aller là-bas, c'est bien. Wir wollen hier auch nicht fehlen. Wir können schon mal zum gemütlichen Teil übergehen. Non, on n'est pas là pour vous torturer, on peut passer à la partie agréable de la soirée. Also, dann hast du ein Schlusswort? Wir können das gestrige zitieren. Das machst du. Soll ich das? Ja, soll was gestern jemand zitiert hat. Ist doch schön. Alors, pour le mot de la fin, Erwin me charge de vous raconter une chose qui est arrivée hier, à la toute fin du débat d'hier, après l'avant-première d'hier. Quelqu'un s'est levé et a dit, je voulais remercier pour ce film, je voulais nous souhaiter à tous présents dans la salle beaucoup de pluie sur Death Valley.